3, 4. Oh yeah! T'as vraiment fait? C'est grave bien, ça nous représente! Salut tout le monde, nous voici dans une nouvelle vidéo. On va faire un jeu aujourd'hui, le qui de nous trois, et on est accompagné de Jean-Luc! Notre petit crâne de compagnie. Notre petit crâne de compagnie qui est très joli et qui contient plein de petits papiers. Vous connaissez le jeu qui de nous? Bon, bah on va faire ça, mais en trouble. Et on vous montrera la tête de la personne qu'on accuse. Et évidemment, pour que ce soit plus drôle, on ne s'est pas concerté avant. Eh oui! Donc s'il y a une dispute, vous la verrez en live. J'en connais un qui va pas consommer son trouble ce soir. Parce qu'on a juste vu les questions avant de les mettre dans le bocal, on s'est pas concerté, mais on sait que ça va tirer à balles réelles. Ouais. On va être honnête ce soir. Et vous avez été pertinent dans vos questions. Autant que cette intervention. Bah, c'est vrai. Faut leur dire que c'est eux qui ont participé. Effectivement, on vous a demandé sur Instagram de nous poser les questions auxquelles on allait se tirer des balles dans le pied finalement. Voilà. Ouais. On commence. Bon, pour connaître l'ordre, je pense qu'on peut faire soit un système de Dalton, du coup plutôt petit grand. Soit un Shifumi entre vous, et après je prends le gagnant. Oh, Shifumi. Et voilà, Jean-Luc. Jean-Luc. C'est bon, il a pas bougé. Je sais plus comment je l'ai appelé. Jean-Luc. Jean-Luc, allez. Shifumi. T4. Donc toi, tu veux faire quoi? Première? Deuxième? Comme tu veux. On n'est pas dans la même. Et toi, tu veux faire première, deuxième? Voilà. T'as bien le premier? Alors. Allez, ça commence. Donc on va commencer tout de suite. Honneur à la... celle qui aura sûrement le plus de défauts. Du coup. Ah. Il t'en prie. Pioche un petit papier. C'est méchant. Qui de nous trois dort le plus? Ça c'est compliqué. Ouais, c'est vachement. Mais attends, faut qu'on montre en même temps. Non. Pas besoin, c'est pas compliqué. Hein. Je vois pas, vous avez dit. Est-ce qu'elle dort le plus? Je suis la plus jeune, je suis celle qui a besoin de plus de sommeil. Mon corps est grandi, mon corps. Je vais atteindre 1m59, hein, je crois. Ouais, bah, on y croit. Essaye déjà de les atteindre avec des talons, on va voir plus tard. Hein? À toi, du coup? À toi. À moi? Allez. Ah, c'est pas à toi? Bon, bah, qui de nous trois a le plus de libido? On en fait quoi des papiers après? Je l'ai jeté derrière moi. Pour le moment, on est unanime sur la réponse. On se connaît bien. Ouais. Pour le moment. En même temps, ça fait 5 ans. Bon, bah, du coup, c'est à mon tour. Il y a la crâne bien remplie, Jean-Luc. Ouais. Qui de nous trois sort le plus les chiens? Bon. Du coup, c'est les deux pour moi. Ouais. C'est... Attends. Hop et hop. Hop et hop. C'est nous deux. Ça dépend des jours. C'est toutes les deux. Et toi, t'as mis qui? Je fais des balades plus longues. MDR. Elle part marcher une heure par jour, dont au moins 40 minutes avec les chiens. Matin et soir. Mais à toi. Bon, pour l'instant, ça va, c'est plutôt cool. Ouais, si ça continue à ce rythme-là, le trouble sera consommé ce soir. Hein. Qui de nous trois est le plus sensible? Eh, c'est compliqué là, ça se complique. Ça se complique. Alors, sensible dans quel sens pour se mettre d'accord? Genre quand tu coupes des oignons, tu pleures, tu vois. Bah ouais. Non mais sensible genre à tout ou sensible... Sensible genre tu pleures. Bah, c'est compliqué. Hein. À vous? Je sais pas. Merde, il voit mes notifs. Bah en vrai oui. C'est toi? Toi? Bah oui. Mais tu pleures jamais. Mais si. C'est tout le temps moi qui pleure. Non, c'est seulement aux toilettes quand t'arrives pas à... Pourquoi tu mets toi? Bah c'est moi le plus sensible. Ah bon? Oh, sa tête c'est vraiment bon. Je les connais par moi, dis donc. Allez, another question, please. Mais du coup, je passe vraiment pour la meuf sans cœur là, parce qu'aucun de vous deux m'a mis moi. Non, elle pleure jamais. C'est faux. Si, quand t'as coupé des oignons. Qui de nous trois est le plus teubé?
À moi. Non, j'avais pris deux. Eh, hey, odeur aux blondes, hein. Qui de vous trois conduit le plus? Alors. Non, il n'y a pas de alors, il n'y a pas de blabla. Parce qu'il y en a un de nous qui sort pas du tout tous les jours. Oui, mais peu importe. Quand il y a besoin de prendre le volant, c'est toujours moi. Bah. D'accord, sans être d'accord. Mais si t'es pas d'accord, mais quelqu'un d'autre? Bah non, mais entre vous et moi, je saurais pas dire non plus. Ouais, mais moi, je sais que c'est moi. Quand tu sors. Parce que j'ai pas envie de mourir. C'est normal parce que j'ai pas envie de mourir. Ça, il nous dit tout le temps. Ce sont les deux seules personnes ici présentes sur nous trois qui abîmaient la même voiture. Partant de ce postulat-là, je conduis. J'ai pas du tout abîmé la voiture. Question suivante. Il y a un morceau de pare-choc qui est resté sur le parking un de ces jours, quoi. Oui, oui, quand même. Ouais, mais c'est tout. Mais c'est pas moi. Franchement, j'ai perdu le moteur. Oui, non, c'est pas moi, j'ai perdu le garde-boue. Le garde-boue, là, c'était voulu. C'était un souhait. C'est vrai qu'on a tous cassé la voiture. On l'a tous pété. On l'a mais tous moi, pété. C'était voulu. Parce que je voulais faire tomber ce putain de truc qui faisait clic, 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 clic dans la voiture. Donc j'ai fait exprès de me prendre ce trottoir. Dites-moi en commentaire si vous êtes solidaire. Non. Dites qu'on a tous les trois cassé la voiture. C'est faux. C'est vrai. Moi, ce que je retiens, c'est que depuis que tu l'as conduit, elle a un pansement. Oui, oui. Bah écoute. Une photo maintenant de la voiture. Voilà. Et puis pour illustrer le fait que je suis celui qui conduit le plus, une séquence vidéo tout de suite, maintenant. Alors, mais c'est pas moi qui Question suivante, s'il vous plaît. C'est à moi, je parle. Oui. Il y a l'autre qui se ramène. Coucou ma fille. Il dit bonjour. Ouais, blablabla. Coucou. Vas-y, ramène un petit peu. Vas-y. Viens. Ouais. On a un chien de pensée. Un chien de pensée. Elle vient dire bonjour. Bidou, bidou, bidou. Ouais, bidou, plus de la gueule. Ah, c'est ma jugulaire. Qui a commencé les films en premier? Bon, c'est pas compliqué, hein. On avait déjà la réponse. Ouais. Et moi j'ai suivi combien de temps après? 3-4 mois après. Mmh. Et toi t'en as... Jamais. Si, t'as juste fait les jalousies et succubes. Oui, mais c'est du perso. Enfin du... Oui. C'est même. Du contenu. C'est du contenu mais cinématographique, oui. Réalisé, produit, monté, tourné, mixé... Par monsieur. Par Bibi. Ouais. D'ailleurs ils sont top ces deux films. Ouais. Ils sont disponibles. Je vous conseille d'aller les voir. D'ailleurs, un code. Je pense qu'on va mettre tout de suite en haut à gauche collaboration commerciale. Non, prochaine question. Non, parce qu'ils nous payent pas pour le faire. Hein. Non. Mais c'est on nous. Les paye. C'est nous qui les payons. Allez. Ah. Alors, mais. Oh. Oh. Qui de nous trois est le ou la plus rancunière? Ou rancunier? Oh, attends, je sais pas. Plus rancunier, c'est celui qui en veut le plus longtemps? Ouais. Non, toi, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de suspense. Hein. J'ai pas besoin de vouloir longtemps pour ça. Hein. Ouais, c'est pas grave, ça passera donc ça. Question suivante. Ça m'en touche, une sans bouger, l'autre ça m'en touche, une sans bouger. Ah, il a les deux sans bouger. Alors, Anaza, tiens, moi je vais en faire un qui n'est pas dans le petit pot. On avait le droit de préparer une question chacun, ciblée. Qui de nous trois est actuellement le plus colérique? Ah. Alors moi j'ai pas de cœur, j'avais une narration et je suis colérique. C'est ta vidéo. Et je suis rancunière, alors je vais en plan. Tu te montres à ton meilleur jour là. Alors qu'on précise, un colérique, je tape dégueulante, mais c'est tout. Qu'on précise. Arrête. Respire, tu es une connasse. Question suivante.
Vous êtes méchant. En plus, t'as posé cette question spéciale, si belle. C'est à moi. La teubée, elle se réveille. Qui donne une 3 est le plus maladroit? Oh, attention à ce que tu vas dire. Ouais, j'avoue, pour s'asseoir sur une ceinture de sécurité, en vrai. Ouais. Elle s'est fait un bleu comme as. Comme ça, parce qu'elle s'est assise sur la pointe de la ceinture de sécurité. Deux semaines, il est encore là. Ouais. Il est passé par toutes les couleurs, sympathique à voir. Après, ouais. Si on parlait de maladroitesse dans le sens qui a cassé le plus vite son écran de téléphone. C'est toi? Non, c'est toi. Question suivante. C'est toi. Mais c'est toi qui l'as pété. Non, c'est toi. Oui, on dit pourquoi question j'ai pété. Suivante. Question suivante. À cause de mon cordon qui tapait dessus, il est pas tombé. Arrête. Question suivante. Arrête. Question suivante. Question suivante. Il vient de descendre. Attention à Jean-Luc. C'est là le bossu de madame. Je suis coincé là, enlève ton bras, lui. Oui, mais moi aussi, je suis. Protège ton papa. Du coup, c'était quoi? Ah oui, c'était le film. Dire qu'elle va rouler une belle vache. Mais. Coucher. Ah, Loum. De nous trois, on peut m'écouter? Oh là là. Et le plus autoritaire. Aïe. Je m'en dis pas. Arrête, t'as l'habitude. Du coup, qui de nous trois est le ou la plus bordélique? Ouh là là, ça c'est dur hein. Comment ça c'est dur? Allez. Je suis en train de me dire qu'elle bouffe les papiers. C'est bien pour faire plaisir. Oui, elle bouffe les papiers. Bah oui, il y a vous juste voyez pas derrière la caméra, hein. C'est... Encore, il a rangé hier. C'est pas faux, je me suis fait en plus. C'est... Pourquoi ils ont eu la même idée en même temps? Alors, tout à moi. Mais t'as pensé à quoi quand t'as dit bordélique? C'est Fran qui l'a estrainé. Oh, tu prends pour trop grave, toi, ce soir. Ah, c'est à moi qui parle? Non, c'est à toi qui parle. C'est Fran qui laisse traîner. Je suis quand même pas un mec non plus. Hein. J'ai entendu qu'elle... C'est String qu'elle laisse traîner, j'ai entendu, moi. Ah. Mia, elle est... Qui a le problème auditif? Moi. Allez, on y va? Allez. On y va? Merci. Qui est le ou la plus romantique? Alors, on se le montre aussi parce que là, on voit pas. Mais t'es sérieux là? Qui te dit 45 000 fois par jour je t'aime? Qui ramène les fleurs, les petits déj, les trucs comme ça? Qui est tout? Qui fait plus de cadeaux, trucs comme ça? Je suis totalement. Moi, je suis pas matérialiste. Ah, je ne suis pas matérialiste. J'ai pas dit le contraire, j'ai dit que je les faisais plus souvent et c'est des petites attentions régulières. Je ne suis pas matérialiste. Gueule. Pas du tout. T'es pas matérialiste. Elle est belle ma caméra. Ouais. L'imprimante, les deux imprimantes qu'il y a derrière aussi. Puis peut-être le Mac aussi et la caméra. Non, je suis juste un conservateur compulsif. De justifier. Bah évidemment. Ouais. Question suivante. C'est à moi? C'est à moi. Ouais, c'est bon. Qui est la plus agressive? Eh ben moi, je fais ma question sans papier. Oh là, la question ciblée. Qui de nous trois pète le plus? Oh merde, faut que je réponde aussi. Oh, quand même. Ouais. T'es sérieux là? T'es un menteur de ouf. Franchement, ça joue entre là et là. T'es un menteur de ouf. Entre vous deux si tu veux, mais moi je pète jamais. Je pète quasiment jamais, je dois lâcher un pet tous les 3 jours. Des paillettes, pète des paillettes. Non, je pète vraiment, je fais des vrais pets, mais tous les 3 jours. Je pète jamais, mais sauf une fois tous les 3 jours. Non mais je pète quasiment jamais. Soit non, soit honnête pour de vrai. Allez, question suivante. C'est à moi du coup. Ah, qui est le plus gourmand? C'est ouais, facile. Y a pas de secret, hein. Eh mais on aurait dû compter les strikes là. Parce que je sais pas combien de fois j'ai apparu sur votre téléphone mais. Ouais bah moi je suis pas apparu pour les trucs les plus sympathiques. Hein. Suivante. Ouais. Du coup, ouais, la gourmandise est un très joli défaut. Surtout sauf chez Chloé quand elle a une chérie qui aime cuisiner. Hein, ouais. D'où le fait que j'ai un gros fiac. Je sais pas si on a le droit de le voir, je vais le dire, mais je l'ai dit. Qui est le ou la plus drôle? Alors là, il n'y a pas de débat, vous n'avez pas mon. Ouais.
quand même. Voilà, merci. Je suis le plus romantique, le plus drôle et le plus sexy. Ah, c'est pas honnête avec toi, mais... Effectivement, ce soir, le truc ne sera pas conçu. T'es pas le plus romantique, tu mens. Moi, le plus romantique. On a une spectatrice, là. Je fais toujours le premier pas. Mais quelle question comme premier pas, c'est pas du romantisme. Bah si, j'évite que la relation meurt. Ah oui, c'est vrai que t'as fait. C'est vrai que t'es... Alors, je veux bien, t'es la plus romantique, je suis le plus démonstratif. Voilà. Ok, d'accord, accord, voilà, accordé. On a trois questions de retard, mais accordé. Mais qu'est-ce qu'il y a fou? Regarde-nous, vous allez mettre le make-up, on a une pestatrice. On a une pestatrice. On a une pestatrice. Vous regarde, vous vous disputez tout à l'heure. Ah si. Ouais, pas bougé. Question suivante, c'est à toi, Boy. Moi, déjà? Je crois, oui. Dites-nous dans les commentaires si on s'est planté, mais il me semble. Oui, bon, coupe ta chiotte, là. Qui de nous trois a les délires les plus fous? Tu touches comme ça. Touk, 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 touk. C'est moi, là. Ah, moi, j'aurais dit oui. Elle part toujours dans des fous rires pour n'importe quoi, tout le temps, tous les soirs. Ah oui, mais ça, c'est des délires gratuits. Moi, j'ai deux imprimantes 3D. Ah, moi je pensais délire, genre folie, caméras, genre drôle. J'ai des drones. Oui, si on parle financier, large, gros plan. Question suivante. C'est à moi. Mais... Je vais poser une question sans papier, mais il faut que je réfléchisse deux minutes. T'en fais quoi, nous parlons deux minutes. Qui de nous trois ronfle le plus et fait l'autre descendre l'autre sur le canapé? J'ai une déviation de la cloison de Versailles. Je ne contrôle absolument pas. C'est ça. Voilà, elle voulait juste afficher. C'est ça, elle voulait juste. Et maintenant, extrait. Honnêtement, il force pas là. Je pense pas, j'ai juste le nez qui a un problème de cloison nasale. Tout simplement, voilà. Elle est déviée, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Des, je passais sous le pire. Un looping. C'est comme ton humour. Souvent en looping. Exactement. Souvent. Oh, puisque. Ouais, la question suivante, c'est pour moi. Il y a un petit papier qui est coincé tout au fond de Jean-Luc là. Viens là. Allez, c'est la dernière? C'est déjà la dernière. Oh là là. Bon, bah, écoute. Voilà. Oh là là. Il casse tout. On va essayer d'arracher la tête de Jean-Luc. Mais c'est bon, tu l'as. Jean-Luc. Bah, qui a été imprimé en 3D. Hein. Le mur. J'ai pris dans la tête, hein, sur tout ça. Ça va. Ça va, tarté. Elle se fout de ma gueule. Qui de nous deux, trois, se fout le plus de ma gueule? Qui des deux se fout le plus de ma gueule? Qui a dit le médian ou le médiateur? Ah, mais je suis bien d'accord, je vous donne des arguments. Ouais. Mais c'est vachement gratuit parfois. Mais ouais. Mais qui t'a fait? Qui de nous trois dit le plus souvent « je t'aime » Vous êtes tous d'accord? Ouais. Bon, on s'en est bien sorti quand même. Hein. Tu vas non, pas, non, non. Tu vas pas faire la tête. Hein. Je te remets sur le canapé. C'est pas parce que je fais la tête. C'est bon, on est bien. Un check. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le like, le commentaire, la petite cloche, partagez. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine. Bisous. Bisous. Ciao, ciao.